Intéressant. 700 infanteries, 30 tanks, et on va perdu. 100 infanteries, on est toujours dans le pépé, on vient de réussir notre promesse. Un petit paquet de cartes, un point. Administration remontée, ça c'est logique puisque on a viré tout le monde. Ouais. Paranoïa, c'est pas trop mal. Ça, c'est moins bien que l'autre, parce qu'on a que 2 FP. Il y en a deux cartes avec du danger, comme ça. Ça va nous donner 4 D10 de danger. Il y en a un qui vous donne 2 FP, et l'autre qui vous en donne 3. Ça, c'est pas trop mal, ouais. Oui. Moins bien. Open contact. On a le temple mystique comme nouveau culte. Et nous n'avons rien reçu pour les taxations. Dommage. Alors, commencer là-dedans. Alors, nous allons devoir maintenant réattribuer un poste à tous nos personnages. Avant de faire cela, nous allons regarder les décisions que nous avons à prendre. Donc tout ça, c'est les leaders. Ici, ça va être le gouverneur. Et on a des protestes aussi. Et enfin, on a de ceci. Bon. On va regarder nos personnages. Et on va checker un petit peu à point de proteste ici à Hanson. Donc on a trois possibilités. Soit de gagner de l'autocratie, soit de gagner de la démocratie, soit de la méritocratie. Et comme vous voyez, il n'y a pas grand monde qui est concerné, je vais dire, à part la personne ici, qui est toujours dans notre cabinet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'appointe maintenant une des personnes ici, elles vont réagir. Prenons Bobby. Bobby, elle n'aime pas quoi? Bobby, elle n'aime pas la méritocratie. Mais elle aime bien la démocratie. Mais moi, je suis plus intéressé par... j'ai envie de jouer ça, la méritocratie. Donc comment est-ce que je vais faire pour pouvoir... Et quand vous allez jouer ici la méritocratie, il n'y a personne qui va bouger avec ça. Si maintenant je mets Bobby, que je la pointe comme je veux le faire, Bobby, elle devrait devenir le suprême commandant. Si je la pointe maintenant, on va la voir apparaître en négatif ici. Donc, le problème, c'est que j'ai droit qu'à deux personnes ici dedans, vous voyez. Donc, lui, est-ce qu'il a un problème avec la méritocratie? Lui, il aime bien la méritocratie. Donc, ce petit monsieur, je vais essayer de le positionner. Et lui, c'est du foreign affair. Voilà, on va prendre le foreign affair. Et je te dis que c'est pour toi. Parfait. Vérifions si ce que j'ai dit est correct. Voilà, lui, maintenant, il va gagner des points. Donc maintenant, il me faut également que je trouve un gouverneur. Est-ce que j'ai la possibilité? Non. Alors, lui, c'est un... On va regarder... Model design. Normalement, glitch, c'est le model design. Est-ce que tu aimes bien la mérite? Tu aimes bien la méritocratie. Donc, je peux te positionner. Glitch. Boum. Voilà. Vous remarquez aussi qu'il y avait une décision pour un candidat de faction que je ne prends pas non plus maintenant parce que je ne sais pas ce qu'il donnera, mais comme il va être de couleur verte, il va être généralement proposé avant des gens comme Doug, qui n'est pas dans une faction. Et donc je risque de ne pas pouvoir le prendre. Doug, lui, c'est... Doug Dumont, c'est mon gouverneur. Lui, c'est de l'autocratie qu'il aime bien. Et il se fout du reste. Donc je peux quand même le mettre comme gouverneur. Voilà. Ensuite,
Donc lui, il préférerait que je fasse ça, mais je le mets ici, et comme vous voyez, il s'en fout de la méritocratie, donc pour le moment, j'en ai deux. Qui est-ce qu'on a encore à déposer? Cette personne-ci, elle aime bien l'autocratie. Il faut voir sur mes autres personnages maintenant ce qui me reste. Organisation, j'ai plus qu'elle en organisation. Et lui, il va être en advisor, Aaron. Et toi, Aaron, tu aimes bien quoi? Tu aimes bien la méritocratie? Eh bien, tu es notre nouveau advisor. Hop, je le positionne. Parfait. Alors, il me reste quoi? Il me reste la faction candidat, la nouvelle demande. Celle-là, on va l'accepter, ça ne va pas changer grand-chose. On peut l'accepter. Il me faut 40 points, 39 points de BP, donc aucun problème pour le 721. J'accepte. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il me reste ceci. Celle-là, je vais attendre, avant de la faire, de positionner notre copine qui nous embête souvent. Ensuite, il y a lui. Ensuite, il y a elle qu'on attend. Et on a celle-ci. Celle-ci, je n'accepte. Ah, il me reste plus qu'une personne. Ok, maintenant, je peux accepter cette personne-ci. Nous allons regarder ce qu'elle vaut. J'espère qu'elle vaut quelque chose. Laura Istar. Laura Istar, un point. Tu vaux pas grand-chose. Sixième sens quand même, mais plus 10 points, quoi. Et tu aimes bien le gouvernement, tu es niveau 13, tu n'as pas d'égoïsme, ça c'est très bien. Une ambition, ça va, potable et héroïque, bon, pas terrible, mais ça va, mais c'est un niveau 1, bien entendu. Bon, on supposera que tu finiras en guerre, hein, ma chère enfant. Tu vas me faire de la guerre et tu étais en historique. Tu as été une personne en endurance et aventurier. Ok. Donc, ça va. Ça va. Donc, on va, avant d'appointer ces personnes-là, on va venir ici. Celui-ci. Alors, j'ai quoi? J'ai un des 100 plus 2 points. Donc, ça va être impossible à réaliser, effectivement. Mais on va quand même essayer de faire une différence de moins de 50 points. Donc je vais quand même, lui c'est notre advisor, il a de l'improvisation un minimum, il peut faire gagner 5 points et demi en sixième sens, il a 2 points en oratoire et il a de l'improvisation. Donc, il a de l'improvisation, ça peut aller jusqu'au niveau 15, donc il va pouvoir donner des points, je ne sais pas combien. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne l'improvisation. Comme vous le savez, le texte n'est pas quand même terrible là, hein. Si votre skill est avec une valeur de 15 ou inférieure, vous aurez un petit bonus. Bon. C'est pas quoi. Ok, donc je t'appelle mon ami et je t'attache à notre à Dumont. Ouais, Dumont, le gouverneur. Danson. Voilà. Donc maintenant, je peux lancer ceci. Avant de lancer ceci, je lui donnerai bien 10 points en plus, notre ami Doug. À notre ami Doug, est-ce que je pourrais lui donner des points en plus, Doug? Comment est-ce que je pourrais lui donner des points en plus? Est-ce que tu réagis bien au fric? Scenario Effect 7. Je n'arriverai pas à lui donner 19 points en plus, donc c'est pas très grave, mais j'aurais préféré quand même, mais bon, on verra bien. Donc, ici, je lance le dé, donc on est à plus 25 maintenant. On verra. Il me faudrait 70 points à peu près. Allez, on va lancer. Et j'ai quoi? Malheureusement, on ne fait que 68. On prend 50% de notre reste. Mais tout le monde est en positif. Elle est toujours là. Donc maintenant, suprême commandant, ça va être pour toi, ma biche. T'es toujours à tes 55, t'as gagné. Donc maintenant, je t'appointe. Voilà, tu fais gagner. Ah, oui.
Est-ce que ça aurait changé quelque chose avec notre ami? Et enfin, c'est bon pour nos relations. Je mets oui, voilà, c'est fait. Elle gagne 10 points. Et nous avons terminé avec notre personnel. Donc, vous voyez, elle est maintenant à 78, autrement, elle aurait baissé beaucoup plus. Où est mon ami Doug? Doug, j'ai dit gouverneur skill. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est gouverneur ici. Voilà. Doug, tu as 59, ok, ça n'a rien changé. Alright, parfait, parfait, parfait. Donc, notre empire maintenant, nous sommes toujours à... Nous avons perdu 50% de PP ce coup-ci, puisque nous n'avions personne dans le suprême commande. On a perdu un petit peu de PP, un peu de toutes sortes. Mais tout se passe bien. 76, 85 populations, 61 de workers, 73 de support soldats. Nous avons maintenant... Ok. Alors, normalement, vous pourriez directement appeler votre gouverneur et modifier, mais ça va se faire automatiquement le tour prochain. Et comme je n'ai pas, il met un known ici, mais je n'en ai pas de. Je n'ai pas d'ouvrier public. Je n'ai que des ouvriers privés, donc ça ne m'intéresse pas trop. Il y a un petit peu de réparation à faire. Alors, donc ma full upkeep prépare 50 damage points, oui. Donc on a 32% en moins à cause de 194 points de damage. Et nous voyons que nous avons 60% grâce à 12 exés. Ok, et il y avait moins 50% puisqu'on n'a pas de gouverneur. Mais on en a maintenant, donc c'est parfait. Ça, je ne vais pas l'acheter. Ça, je ne vais pas non plus le transport hub. On pourrait le nationaliser, mais pour le moment, je vois pas trop l'intérêt. Surtout si jamais on prenait Full Range avant les autres. Et bon, je vois pas tellement l'intérêt de prendre ça, d'acheter ça. Non, je vois pas l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dedans? Qu'est-ce que ces gens sont occupés de construire? Oh, joli. Une light industry directement. Comme ça, c'est bien. On leur donnera un petit peu de sous le tour prochain. Donc, on va garder. On va monter jusqu'au moment où on est entre 50 et 75 en happiness. Pour leur passer en zone incorporée, hein, en zone régulière. Sinon, ça va deux fois plus vite pour augmenter la pinesse quand vous êtes en tant que zone 1, une corporation. Malheureusement, en ce moment-là, nous n'allons pas pouvoir, tant que vous n'êtes pas en zone régulière, vous n'allez pas pouvoir changer la culture du groupe et la repasser vers le nôtre. Vers celle de notre capitale, de notre empire. Et voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avancer assez vite en barbarique ici, d'augmenter des trucs. On a reçu, je pense, des cartes de stratagèmes pour les zones. Ça, je ne m'excuse pas beaucoup. Voilà, on a par exemple un Security Outpost, et c'est tout ce qu'on a reçu. Ouais. On va se mettre ça. Mais alors. Comme c'est un hexagone qui vient se positionner sur la carte dans toute la zone, on va faciliter un petit peu le terrain avec un zone border et on va modifier nos zones. Du moment que vous avez deux, ici je suis dans Carica, là je suis dans Hanson. J'ai deux cases ici, donc je vais cliquer gauche ici. Non, pardon, clic droit ici. Vous voyez, Drawing Exe for Zone Carica. Je clique gauche là. Je peux cliquer gauche maintenant ici. Là, je peux pas, bien entendu, mais je peux cliquer gauche ici. Voilà. On va cliquer gauche comme ça. Il faut deux cases, normalement, pour pouvoir en fabriquer un. Donc, logiquement, on va essayer ici de le pousser. Voilà, je l'ai poussé. Clic gauche,
suis gauche, non, je suis toujours zone border, oui, back, allez, reviens ici, on va réussir, pardon, sur celle-ci, alors voilà, ici je suis passé. Vous avez besoin, comme je disais, de deux cases pour pouvoir en faire une autre, deux cases qui doivent être conjointes. Donc maintenant je peux venir ici, là je peux aller, je peux venir ici. Voilà, maintenant il n'y a plus rien, donc je reviens ici avec un clic droit, gauche, gauche, gauche. Non, je reviens ici, gauche et gauche. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'Anson qui peut. La zone d'Anson est réduite à sa propre ville. Donc je vais jouer mon Security Outpost, j'exécute mon stratagème, voilà. Je regarde maintenant dans les assets de Anson, voilà, nous avons maintenant le Security Outpost. Il n'y avait pas de truc électrique, hein, donc il n'y avait pas de problème avec ces deux choses-là. Maintenant, donc, on a un Security Outpost. Si, par exemple, j'en avais une autre carte que j'aurais pu mettre, mais là, on voit qu'on n'en a plus aucune de zone, donc d'hexagone, ben, j'avais qu'à ouvrir une carte, une case supplémentaire. Parfait. Maintenant, on va rouvrir la zone un petit peu plus grande de ceci, d'Anson, et on va cliquer donc droit ici. Trafic signe, je dis hop, border. Bon, maintenant ici on est pour zone drawing exit pour zone Anson, que vous pouvez voir ici. Et je clique donc gauche, je clique gauche et je dessine mes nouvelles bordures. Voilà. Bon, vous pouvez le faire de l'autre côté aussi, hein. J'aurais très bien pu dessiner, aller le mettre à carré-carré, mais alors là j'aurais dû peindre la moitié de la carte, donc tout l'autre territoire, ce qui est un petit peu chiant, un petit peu long à faire. Donc on va laisser un pas un trop grand territoire pour eux, pour Anson, parce que mon gouverneur de carré-carré est meilleur, si je ne me trompe pas. Carré-carré a un très très bon gouverneur. Voilà, on l'appelle, et comme vous pouvez voir, il a déjà des points ici et ici. Par contre, notre autre petit monsieur ici, lui, il est encore assez jeune, avec ses petits 19 ans. Il a des points moins forts dans, par exemple, prospecting, etc. Et ici, il est nul à ce niveau-là pour l'instant, mais ça va bien monter, bien sûr. Et donc, bah, autant lui donner un petit peu moins de travail. Alors, nous voyons que ce monsieur est toujours accroché. Et on peut voir que lui, il a une friction de 11 points. Donc, on va pour le moment l'enlever de là. Il suffit que je clique de nouveau ici dessus. Et puis que je l'appelle. Et que je le détache. Voilà, c'est parfait. Tout le monde a fait son petit job. C'est bien. Est-ce qu'on a terminé avec les cartes de stratégie? On peut lancer un deuxième casino. Une école. Et une arène. Je pense qu'on va faire un casino. Donc le mieux ici, c'est quand même de le mettre sur au moins un niveau 2, je vais dire. On en a déjà un de casino, je pense, à Carreca. Je pense que nous avons un casino à Carreca. Ouais, on a un casino de niveau 1. Maintenant, ce serait pas mal non plus. Qu'on mette ces choses-là de l'autre côté, sur Anson. Mais uniquement à partir du moment où on aura fait quelque chose. S'ils mettent déjà un casino, je peux en rajouter un deuxième. S'ils mettent une école, je peux en rajouter une deuxième. Et s'ils mettent une arène, je peux en rajouter une deuxième. Un deuxième niveau, disons. Donc je vais quand même garder ces cartes, c'est pas tellement important pour le moment d'augmenter notre QOL à Carreca. Je pense qu'il est déjà pas mal du tout. Voilà, on a 50 partout et ça continue à monter. Donc on va bientôt passer au niveau supérieur de civilisation.
Si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs on peut le savoir tout de suite, je ne crois pas, mais si je veux monter un... Non, il me faut encore un petit coup. Il ne manque pas grand-chose, on devrait y arriver sans doute le tour prochain. Ça, je ne vais pas faire pour l'instant. Une petite baraque, ça ferait pas tort non plus, mais ça coûte quand même assez cher. On verra après. Hop, j'ai fini ceci. Alors, si je veux maintenant construire quelque chose ici, je peux le faire. Pardon, pardon les items, ça me revient ici. Je peux très bien construire ici un bureaucrate office. Et je vois pas le problème d'ailleurs. On va le faire d'ailleurs tout de suite, je pense. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Ok, on va lancer cette construction-ci. Voilà, pas de problème. J'ai pas fait attention, mais ici je sais que normalement j'étais bon. Et il reste ce petit bâtiment-là qui doit être terminé aussi. On va regarder si on peut vendre quelque chose avant d'oublier celle-là. Je peux vendre de la food, mais c'est pas assez important. Donc on va pas faire ça pour le moment. Bon, il n'y a pas d'ouvriers. Donc il y en a qui vont arriver. Sans doute pas beaucoup. Sans doute pas assez. Il m'en faut combien pour construire ça veut dire combien pour le gouvernement? On ne le dit plus ici maintenant. Il faut que je passe dans management. On va aller dans ici et savoir combien il y a de personnes que j'ai besoin pour construire ça. Il me faut 2000 ouvriers. 2000 ouvriers, je ne les ai pas. Mais je ne suis pas certain qu'on va en tirer quelques-uns. Alors actuellement, Hanson. Happiness diminue de 1, happiness augmente de 1, ça fait 0. Diminue de 1 parce qu'on n'a pas de rémunération. Et diminue de 2 également. Donc, à mon avis, on n'aura personne. Ou en tout cas, pas assez de monde pour pouvoir monter ce truc-ci. Donc, bon, c'est pas très 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 grave. C'est pas très grave. Et on a 62, donc il a besoin de people ici à l'intérieur. Je pense qu'on a terminé dans la vision. Ici, on va passer aux attaques. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce petit coin-ci? Est-ce que toi, tu peux te bouger à un endroit comme celui-ci? Tu peux bouger à un endroit comme celui-ci. Toi, tu ne peux pas. Ok, donc on va passer ici avec celui-ci. On va suivre avec plein de petits bonshommes bleus. Donc toi, alors, tu vas venir ici. Toi, ah, il y a plein d'endroits où je dois aller. Alors, mes MG, tu n'es qu'à 73. Regardons s'il y en a d'autres qui peuvent aller plus loin. Oui, toi, tu peux venir ici également. Regardons, d'ailleurs, ici, toi, tu peux aller en stratégique move jusqu'ici. Bon, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme un clic droit. Voilà. Gauche, droit, move. On va te remballer ici. Allez, Jean-Marc, ça ne va plus ça. Clique-moi. Alors, là on a du rouge, hein, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que je fous avec ça? Aïe, 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 mais qu'il est idiot ce garçon. Pourquoi est-ce que j'ai envoyé ce monsieur-là, là-bas? Pas grave, on va espérer qu'on va pas le perdre. Toi, tu peux pas aller très loin, hein, mon ami, avec tes 59 là.
Alors toi tu es 10, toi tu pourrais venir. Appuyez ici. Bon, il n'y a plus grand monde là-dedans. Ouais, on a besoin quand même de people. On va créer une nouvelle. Nous allons créer une nouvelle armée. Pop. 8 OHQ et du machine gun. Boum, 53%. C'est parfait. Je ne veux pas de milice. Et je peux raiser. Ok, c'est fait de nouveau. On a plein de people ici, ce qui devrait aller pour le tour qui vient. Toi, monsieur, tu vas. Oui, donc toi, tu vas te bouger. Pas vraiment besoin de toi ici. Qu'est-ce que nous avons ici? Deux people. Envoyer le camion là, ça me semble un petit peu limite quand même. Non, bouge à rien. Toi, je veux te voir ici dedans. Ouais. Quand tu viens ici dedans, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avons plus grand-chose à faire à part envoyer les. On va pas dire envoyer les chars, mais envoyer les avions plutôt. On va envoyer les avions. On va envoyer les avions sur. Là, on a plein de buggy. Et des buggy, ça fait mal aux avions. Par contre, on est quand même dans de la plaine. On va quand même envoyer les avions là-bas. Donc, je demande mes petits avions. Là, on va faire un petit touc-touc-touc ici, ici, ah, pardon, ici. Air attack. Avec. Ça, c'est le 1, ça, c'est le 2. Donc, celui-ci, c'est là. On va faire avec le 2 d'abord pour ouvrir un petit peu la vision avec celui-ci. Ou alors, on bute un peu de ceci. Ces bidules-là. Ah, on va attaquer ça. Alors, donc, il n'y a pas no return fire. 47 points. Oh, allez-y tous les deux, comme ça on ne perd pas de temps. Même si on voit pas grand-chose, malheureusement, ils peuvent pas tirer s'ils voient rien. Hein, dire, boum. C'est pour ça qu'il aurait mieux valu attendre un peu. On touche quand même un petit peu. Hein, 4, 5. Voilà, on a gagné 9 racines carrées. 9, on a gagné 3 points de field testing, ce qui est mieux que rien. Et nous sommes à zéro. Je pense que nous avons terminé notre tour. La seule petite chose que je n'ai pas fait attention, c'est un endommageur. Est-ce qu'on peut améliorer un contact avec nos majeurs? Par exemple, ici, 62 pour 81. Ouais, on va lancer le petit bidule, 112. Malheureusement, il nous manque pas mal de points. Mais on a au moins amélioré un petit peu les conditions. Ensuite, en basse, ça. Avec qui? Avec qui? Avec vous.
Je peux. Il me faudrait 102. On est un peu court. Avec eux, on n'a pas assez. On va faire un autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'ambassade. Ambassade. Avec eux, 999, ils n'ont pas du tout envie d'être sympas avec nous. Eux, 152, ça commence à venir. Et eux, je ne pourrai pas, puisque j'ai déjà lancé un stratagème. Ensuite, un dernier, un petit gift. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un gift? Nous pouvons. Pas terrible. Encore moins bien, et là je ne pourrai pas, bien entendu. Nous avons fait le tour de ce qui était possible ici. Les mineurs, on s'en fout. Le cover-up, on s'en fout. La nation, je n'ai rien reçu d'intéressant. Ni si, 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 si. La paranoïa, c'est une zone random. On va recevoir 4 des 10 de fear. On va lancer ça, et je pense que ça devrait aller sur Carica. Généralement, c'est là qu'ils vous l'envoient, mais enfin, on ne sait jamais. Mais s'il y a de la fear, ben, ça va diminuer le reste d'un côté, et puis bon, ok, ça va quoi. Et toi, c'est du de l'unrest aussi. 6 des 10 d'unrest. Ah, on va faire tout ça. On va d'abord lancer le chemical. Boum, Carica, c'est pris 26 d'unrest. Et la paranoïa, hop. Donc c'est Carica aussi. Carica aussi, donc boum, fuir. Ok, on s'est pris un maximum de points supplémentaires. On en a 10. Est-ce qu'on a quelque chose à mettre à nos leaders? Je ne vois pas d'intérêt pour l'instant. Et ici non plus. On revient regarder chez notre ami Carica comment ça fonctionne. Et donc, voilà, 85 ici, 26 de reste, 21 de fuir. C'est pas grave, ça va bloquer. On ne va pas pouvoir monter plus haut que 79. Donc, logiquement, le tour prochain, on devrait descendre à 79. Mais comme nous avons quand même. Hop, 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 pardon, on a de l'autocratie quand même à 56. Et on voit qu'au-dessus de 40, ça commence à réduire les effets négatifs de la fuir. Donc on a fait tout le tour. La dernière chose que j'ai besoin de connaître, c'est le culte. Alors c'est du Mystic Temple. Plus 4 de pénalité sur le recrutement à cause des mystiques. Ok. Et puis, donc, ça va peut-être me donner un petit peu de happiness. Ça, on va le voir dans notre rapport de culte. Qu'est-ce que tu nous donnes? Mystic Temple nous donne 98 points de bonus privés qui vont servir à augmenter la production des bâtiments qui fournissent des items. Donc les items, je suppose que c'est les PP par exemple, les privés, les crédits privés et la nourriture. Ah bah tant qu'on est là, un petit victory, eh bien nous sommes repassés en tête. Mais bon, on est encore très loin, on est à 7 quand même, faut pas oublier. Ok, je pense qu'on a fait tout le tour. Il nous faudrait. Bon. Et dans notre profil, on est. On a toujours 6%. Malheureusement, c'est un peu faible. Et là, il faut encore 2 tours, mais bon, ça, c'est pas tellement important. Ça serait quand même sympa de le garder. On a un petit peu le gouvernement, mais. Pour le garder. Chichichichi. Pour le moment, ça. Ici, c'est pas l'idéal de rester entre deux eaux comme ça. Soit tu pousses le commerce, soit tu as un peu plus de gouvernement pour au moins essayer de sortir un nouveau bonus. Et ici, j'ai du mal à passer. Là, on a encore 2 tours dans celui-là. Ok. Leader, technologie, modèle, assets, on a fait le tour. Plus besoin de faire quoi que ce soit. Allez, on passe le tour. Tour suivant.